Ya estás a punto. Begin countdown. 3, 2, 1, go. Il dit quoi? Est-ce que tu as peur de faire un feat avec Arafat? Non, ce n'est pas la peur. Je dis, moi, je suis un homme. Et je n'ai pas deux paroles dans ma vie. Si vous vous rappelez, en 2014, j'ai dit que je ne ferai jamais de featuring. En tout cas, plus jamais, pas déjà fait une fois. Plus jamais de featuring avec DJ Arafat. Les gens m'ont insulté. J'ai tenu à ma parole jusqu'à aujourd'hui. Je dis, je ne ferai pas de featuring avec DJ Arafat. Voilà. Le gars, il traîne de mon téléphone ici tous les jours pour me demander featuring. Il ne veut pas, ça ne m'intéresse plus. Voilà. J'ai écouté une de ses chansons, il y a une chanson de DJ Arafat qui me plaît beaucoup. Où il dit dans la chanson, vous ne pouvez pas jouer avec ce qui me donne à manger. Donc toi, on ne joue pas ce qui te donne à manger. Mais c'est toi qui joues avec ce qui donne à manger aux autres. Donc moi, à partir du moment où tu mets du sable dans mon achéqué, il faut savoir que tu n'es pas mon ennemi, hein. Mais il n'y a plus affaire à toi. Et c'est ça qui est le vrai point. Il n'y a plus affaire à DJ Arafat. Je suis dans ma gamme. Rien à foutre de lui. Voilà. Mais ben si il avait réussi un coup bas que j'étais tombé, parce que c'était ça son intention de me faire tomber. Mais j'ai tenu bon aujourd'hui. Ce qui ne m'a pas tué m'a rendu encore plus fort. Tu vois, c'est pourquoi il court pour faire des featuring avec moi. Ben, c'est un featuring hypocrite. Moi, je ne fais pas de featuring hypocrite. Je ne fais pas de featuring par intérêt. Voilà, ça n'a jamais existé dans ma vie. Quand moi j'ai fait un featuring avec un artiste, c'est que je l'aime pour de vrai. C'est pourquoi vous me verrez faire des featuring avec des artistes qui ne sont pas connus. Ça ne ça me dit rien de faire des featuring avec des artistes pas connus pour essayer de les faire connaître. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce sont des choses qui sont vraies. Je ne suis pas un hypocrite. C'est pourquoi je dis et je le répète, DJ Arafat n'est pas mon ami, il ne sera jamais mon ami. Ceux qui espèrent avoir un featuring avec Arafat, ça ne sert à rien de rêver, parce que ça ne va jamais exister dans l'histoire du coupé décalé. Ça a existé une fois et c'est fini, c'est mort. Ben ça ne fait pas de lui mon ennemi. Ok? Voilà. On se parle tranquille, il n'y a pas de problème. Mais travailler avec Arafat, oubliez ça.